Maurice Acco, à côté de vous, il y a Guillaume Meurice. Youpi youpi, je vais vous parler de la mort aujourd'hui. Vous aimez la mort? Oui. J'ai rien entendu, vous aimez la mort? Oui. Hommage, bien entendu, au foie d'Emeric qui décède tous les week-ends. Je vais vous parler de la mort parce qu'il y a cette histoire de virus. Vous avez suivi cette histoire de virus, là? Oh non. Non, parce que moi, je suis à fond sur l'actu, mais je me dis, vous êtes peut-être passé à côté. Là. Coronavirus, coronavirus. Alors, ce qui était cool avec ça, c'est qu'on allait bien tous crever. Mais voilà, patatras, la crise a ralenti la consommation, fait diminuer la pollution et on risque de survivre. C'est, comme qui dirait, la Hesse, hein, comme on dit, chez les islamo-gauchistes qui essayent de parler arabe pour faire chier ces news. Donc là, que fait l'être humain? Il panique et il dit qu'il faut relancer la consommation. Et ça tombe bien aujourd'hui, c'est le Consumer Day. Avec le masque, j'ai l'impression qu'on voit pas trop mes progrès en anglais. Consumer Day, voilà, le jour des consommateurs. La vie est bien faite, un grand événement organisé au théâtre de Mogador, où je suis allé donc pour parler consommation. J'ai d'abord rencontré un consultant. Alors moi, les consultants, bah, j'aime bien parce que on peut les consulter. Hein. Alors ma question, c'était, est-ce qu'il faut continuer à consommer autant? Consommer autant, je sais pas. C'est vraiment une bonne question. Je sais pas. Je peux pas te dire tout de suite. Est-ce qu'il faudrait pas juste consommer moins? Est-ce qu'il ne faut pas juste changer de modèle économique? Trop grosse question pour ma petite tête. Mais vous êtes consultant, moi je vous consultais. Non. Ben, c'est compliqué, la consultation n'a pas été très fructueuse. Pourtant c'est marqué consultant sur son badge. Alors en même temps, il y en a qui vont me dire, c'est bien marqué humour sur tes chroniques. Ah, je pense notamment à Saucisson Royaliste 75 sur internet, qui dit, où est-ce qu'il faut rigoler? Voilà, c'est vrai que tout est relatif. Alors continuons sur la consommation. Est-ce que le fait que la consommation ralentisse donc n'est pas une bonne nouvelle finalement? Ah non, non, c'est pas une bonne nouvelle, non. Je me doutais que ça vous arrangeait pas trop. Ça nous arrange pas du tout. Bah non, enfin oui, peut-être une bonne nouvelle pour la société, mais pas pour notre entreprise. Donc non, pas dire que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous avez une entreprise qui n'est pas bénéfique pour la société? Alors, bonne question. Oui. Bah oui, il faut que tout le monde, s'en sorte. Hein. Ouais, voilà, bonne question, mais je ne sais pas si c'est une bonne réponse finalement. Je ne sais pas si elle s'en est bien sortie, parce qu'elle a quand même opposé l'entreprise au reste de la société. Alors pour le championnat du monde d'éléments de langage, c'est loupé, mais ça a le mérite quand même de la sincérité. On continue avec l'industrie du textile. Si vous consommez moins, vous allez tuer, je pense, l'industrie, donc ça va être quand même compliqué. On a bon espoir comme sur certaines cibles qui continuent de consommer, à l'image des cibles qui sont plus modestes. Non, on espère une relance du marché, au contraire. Mais est-ce qu'il vaut mieux tuer l'industrie ou tuer l'humanité? Vous pourriez m'aider, Olivier? Alors, Olivier, on appelle un ami. Ça, c'est classique. Quand on en regarde, on appelle un ami. Olivier, il était là, il est à côté, il est venu à la rescousse. Olivier, qui, lui, elle a une bonne technique commerciale pour défendre ceux qui surproduisent, donc les industriels. Forcément, ils ont été coupables à un moment, mais on a aussi besoin de gens qui sont en train de faire changer les lignes. Et il y a plein d'industriels qui sont en train de complètement modifier leur outil de production. Mais est-ce que les industriels, c'est pas justement les gens qui nous ont mis dans la merde? C'est aussi ceux qui vous permettent d'avoir une belle veste, qui vous permettent d'avoir un beau pantalon et des belles chaussures. J'ai l'impression que vous essayez de m'amanouer en parlant de mes fringues. Vous avez des très belles marques. Ça fait plaisir quand même. Mes collègues passent leur journée à dire que je suis sapé comme un cul et tu les rageux. J'ai même des belles marques. Bon, c'est Emmaüs, mais c'est vrai que c'est une belle marque. Alors essayons de savoir si on doit en profiter pour moins consommer, toujours au grand rassemblement Consumer Day. Oui, alors personnellement, je partirais plus sur diminuer un peu les modes de consommation, certes, je ne dis pas le contraire, mais c'est encore quelque chose qu'il va falloir prendre le temps, il va falloir réfléchir un peu plus sur le sujet. Mais est-ce qu'on a le temps? Alors, non. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Après, moi, je veux bien dire au réchauffement climatique, tiens-toi tranquille, gamin. Il y a Kevin qui veut l'iPhone 40 avec lequel tu peux écrire des SMS avec tes crottes de nez. Mais il n'est pas d'accord, le réchauffement climatique. On n'a pas le temps. D'ailleurs, il est temps de conclure avec un message de confiance parce qu'on n'est pas du tout dans la mouise. Notre modèle économique va pouvoir continuer comme ça. Non, parce qu'il va falloir inventer d'autres choses. Qu'est-ce qu'on va inventer? Je ne sais pas, il va falloir demander aux chercheurs. On ne sait pas trop où on va, quoi. Non, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas, tout va bien, le bateau coule et le grand orchestre des marchands continue à jouer la même mélodie. La fin du monde est en promo, on en profite, tout doit disparaître, à commencer par les humains.